Estamos en el maratón de Puerto, estamos prontos a dar un recorrido. ¿En forma aujourd'hui? Non, pas blessé, mais en tout cas ça va. C'est quoi l'objectif? On va faire du mieux qu'on peut. Le mois de novembre il fait super chaud. Ah ouais. Hein, je pense que limite il fait trop chaud en fait hein, pour courir un marathon, mais bon. Ambiance show? Ambiance. 1,6 km, les amis, une foule impressionnante hein, sur ce marathon de Porto, d'autant plus qu'il y a des demi-tours. Très très chaud aujourd'hui, très 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 chaud. Bon, déjà on nage, on va commencer à boire au ravito du 5. À 1,14 km, les amis. Vous trouvez le coureur le plus grand du monde. C'est très sympa de courir à proximité de la mer. On longe un petit peu le littoral, c'est très joli. Très joli à voir. C'est-à-dire qu'on est au mois de novembre, les amis. Vous vous rendez compte? On se croirait en plein été le long de la Méditerranée. À courir là, c'est vraiment superbe, les amis, je vous assure. Allez, kilomètre 17. Allez, ma femme! Ça fait penser à Nice, ma femme, non? Les palmiers. Petit port ici. Très belle vue sur le fleuve de Porto, les amis, le Rio Douro. Très joli. On aperçoit aussi de l'autre côté du fleuve le dénivelé de la ville de Porto. On voit que c'est une ville en hauteur. Super! Ouais! Et voilà, 20e, un petit peu de solide sur ce marathon de Porto. Hop, des petits gels, pâte de fruits et du Powerade. Impressionnant. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que les canyons étaient immortels, mais on dirait que non. Il y a carrément des jets d'eau hein, mis en place pour refroidir les coureurs, pour les rafraîchir un petit peu. Et voilà, c'est le marathon en 1h59. Quelle belle vue sur Porto là. Très très beau. Le meneur 4h qui est là. Il fait ce qu'il veut, nous on est tranquille. On court à notre rythme. Carole est un petit peu blessée. Elle a un peu de mal aujourd'hui. Allez ma femme, la meilleure! Merci. Le pont Louis 1. Qu'on a traversé, qu'on a vu hier soir de nuit en visitant. Et on le traverse de jour, il n'est que pour nous. Et c'est guapo, et le Punto Luis Uno, Carol? Si. Si, guapo? Ok. Ouais. Une petite pensée pour le coach de la team Tom Tom, n'est-ce pas, Frédéric Coyo? Fred, si tu nous suis, salut à toi. C'est un très beau cadre, les amis. Moi, je me lasse pas de vous montrer ça. Beaucoup d'allers-retours sur ce marathon, ce qui permet de se voir, de maintenir une certaine ambiance. En fait, si on vient à plusieurs, ça permet aussi d'encourager les personnes qui sont plus rapides ou plus lentes que nous. Allez, ma femme! Les berges du Rio Douro, très colorées, très en hauteur. Ouais. Et demi-tour et on rentre à la maison, les amis, ça y est. Un peu de mal. J'ai l'impression que je bois trop. Ouais. J'ai trop d'eau dans le ventre. Et encore, t'as encore soif. C'est pareil, j'ai l'impression d'avoir soif tout le temps. Ouais. 30e kilomètre, allez. Je pense que ça aide pas sur les pavés avec tes fives là. C'est carrément pas simple en fait. Merci. Hello. Et on nous envoie de la musique épique, les amis. Wow.
cours comme si t'avais volé un truc. Sauf qu'à cette heure-ci, au bout de 30 km, normalement, t'as semé à peu près tous ceux qui te poursuivaient. Ouais. Avec plaisir. Au 35e kilomètre, à environ 3h40 de course, il fait vraiment super chaud. Même l'eau qu'on nous file, c'est de l'eau chaude, mais on la boit quand même, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il fait super chaud, je suis desséché. Allez, on tient bon, ma femme. Il n'y a plus qu'à faire demi-tour vers la mare. Allez, le 4h30. Ce ne sera pas notre meilleur marathon, hein, évidemment. Allez, courage, Olivier. Super. Hurry up, the beer is getting warm. Au revoir. Ouais, coyo. Ouais, musica. Le bazar, c'est énorme. Vous foutez le bazar comme ça, c'est bien, bravo. Loin, ça, on l'a croisé il y a 600 mètres, ça marche. Ouais, c'est bien. C'est le Minard. Et oui, Carole pour l'IMP, Marie auxiliatrice au 41e kilomètre du marathon de Porto. Carole, comment vous sentez? Ah là, j'ai chaud, j'ai mal. Ah bon? Mais ça va très bien, niveau des jambes tout va bien, niveau de la gestion de l'effort, pareil. Donc un très très bon marathon en ce qui me concerne. Le plus chaud certainement, mais l'un des plus beaux surtout. Allez, championne, allez! Ouais! Super! Allez ma femme, c'est Bruno! Allez, ça va! Voilà, bravo! Et sans mal se voguer! C'est bien ma femme, la meilleure! Bravo ma femme! Merci beaucoup! Merci! Belle médaille! Je crois que c'est le pont Louis I qu'on voit dessus. Allez, un petit cadeau finisher. Merci beaucoup. Oh yeah! Le rêve de tous les marathoniens au 25e kilomètre. Ça va et toi? C'était super dur là. On est pavé, il a fait trop chaud. Oh là là. J'étais en fighting air, là, ça allait pas du tout sur les pavés. Enfin bref, ça restera un bon marathon symboliquement. T'auras bien galéré quand même. Oui. Tiens, Béatrice, bravo! Thank you! Donc là, c'est un ASICS finisher. Non, c'est pas un marathon facile, il n'y a pas de gros finisher, mais c'est que monter des jambes. Et là, il doit faire tout le. La dotation, quand même, est sympa. Hein. Mais, tu m'étonnes, on a trois vêtements. Avant de partir. Hein. Ouais! Il y a plus le sac à dos. La veste sexy de Philippe. Hein, c'est ta partie gratuite. Hein. Ouais, parce qu'elle est partie, puisque c'est tout ce qu'ils t'ont donné derrière. Ouais. Et là, t'as un t-shirt. T-shirt finisher de chez ASICS. C'est une bière. Bière illimitée, hein, d'ailleurs. Open bar. Open bar à l'arrivée. Tous les amis, gros bisous et à la prochaine. Ciao.